pour aller. Merci de l'autre côté. Merci un peu. Aucun avis. 1, 2, 3, 4. Bon, comme nous connaissons déjà, on a plusieurs casquettes. Bon, casquette, dirigeant politique, on contrôle secteur démocratique. Son casquette politique, mais mon casquette avocat qui est engagé dans la bataille contre la corruption. Et c'est casquette ça qui est dans la tête moi, matin là. Matin, moi venu devant la presse, c'est pour nous clarifier pour le peuple haïtien, raison qui fait nous gagnons pratiquement 2 mois, c'est dans blackout nous y est dans le pays. Nous avons pratiquement 2 mois nous dans blackout. Tout moteur EDH crasé, central yo crasé, dans Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, Gonaïve, tout côté. Moteur EDH crasé, pour qui ça? Et c'est dossier ça nous porter pour la population. Parce que moun kap dirige l'État ou pa janm di vérité. Jovenel Moïse, qui président, c'est l'homme le plus menteur de ce pays. Il pa janm di vérité et il ne dira jamais la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que bon compagnie en Haïti, Yorele, Rebelle Riche, Haïti S.A. Son compagnie Léo Tapfel qui était supposé travailler dans la question construction. Ce compagnie ça, il a un contrat pour importer, ça veut dire pour acheter à l'étranger mazout, diesel, asphalte, pratiquement pour plus passer 6 mois. Ce compagnie ça qui vient monopole là. Le 10 avril 2020, un bateau de nationalité Iles Marshall, en concession britannique, qui déplaçait aux États-Unis, notamment Texas, dans un port, et bateau ça, li chargé avec mazout. Bateau a quitté Texas, le port du Texas, le 10 avril 2020. Le 15 avril 2020, bateau ça, qui gagne nationalité Iles Marshall, qui gon capitaine, cap conduit le cap pilotel Yorele Lelan Pekarencho, bateau ça arrivé en Haïti le 15 avril 2020. Bateau a quitté le port du Texas le 10 avril 2020 et le 15 avril 2020 bateau ça arrivé en Haïti. Bateau ça a porté mazout. Bateau ça qui t'a importé mazout pour compagnie Prebel Riche Haïti SA, c'est lui-même qui baille l'État haïtien, qui baille EDH mazout qui crase tout moteur et des achats. Parce que compagnie ça, qui a acheté mazout à l'étranger pour venir vendre en Haïti, Jovenel Moïse, pas le contrat. Compagnie ça, pas qu'on est bien circuit mazout là. C'est bon compagnie qui était dans la question mazout. Son compagnie qui était qu'on a travaillé dans la question construction. C'est compagnie ça qui baille. Vieux mazout qui crase moteur et des hachou. Jodia, il y a plusieurs questions
qui important pour nous poser. Qui est-ce qui vrai propriétaire compagnie ça? Rebel Riche Haïti SA qui vend l'État haïtien. Mauvais mazout qui crase moteur EDH. Qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Michel Martelly qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Thierry Champagne qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Qui monde qui met compagnie ça? Yo pas capable dire nos vérités. Fok BM Bad. Fok EDH. Fok l'État haïtien, au nom de la transparence, dis-nous qui est-ce qui met compagnie ça. Son première question, nous devons connaître, parce que c'est compagnie ça qui vend l'État haïtien au mazout de mauvaise qualité qui crase tout moteur EDH. Mais deuxième question pour nous poser, et faut nous jouer une réponse comme citoyen. Si vous vendez l'État haïtien en mauvais mazout, qui crase moteur EDH, d'ailleurs, Michel Présumé, directeur EDH, le 28 juillet 2020, il écrit une lettre par le directeur BM Badla, quand il dit, mazout, nous te voyons par EDH là, mazout ça endommagé violemment les moteurs de l'EDH au point de mettre à genoux cette institution et qu'on y a nous pour le réparer. Mais bon question, qui est-ce qui va le payer pour réparer moteur EDH que Rebel Riche vend en mauvais mazout et puis qui crase moteur? Est-ce que c'est avec Kobao comme citoyen? Est-ce que c'est avec l'agent contribuable? Yo pral réparer moteur EDH yo, ou bien est-ce que c'est compagnie ça yo rele Rebel Riche SA Haïti qui pral bay l'argent pour réparer moteur EDH que yo crasé parce que yo bay EDH en mauvais mazout? Mais son question fondamentale, Michel Présumé pas dit non, nous pral réparer moteur, nous pral réparer, mais qui est-ce qui va payer pour la réparation? C'est une deuxième question, mais faut qu'on connaisse. Troisième question. Pour qui ça, directeur BM Padla, li pas poté question devant la justice? Pour qui ça, directeur BM Padla, li pas poté question devant parquet Port-au-Prince? Pour qui ça, directeur BM Padla, il n'y a pas pour tes questions devant ULCC. Parce que ce n'est pas une plaisanterie. N'a pas parlé de commandes de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. N'a pas parlé d'une compagnie qui a acheté mazout. Qui par contre est côté pour jouer un bon mazout là. Qui a acheté un mazout de mauvaise qualité. Qui crasait moteur EDH. Alors, c'est comme citoyen, yo, comme professeur, comme journaliste payé, comme ouvrier factory payé, comme avocat ingénieur payé, comme malheureux malheureux payé l'État, c'est même comme panneau yo pral pran pour yo réparer, pour yo ranger moteur EDH que yo bay au mauvais mazout qui crase moteur. Deuxième question ça, l'important, même j'avais troisième question, pour qui ça directeur BM Padla, il pas poser question devant la justice. Directeur EDH là, Michel Présumé, monsieur privatisation. Mais tout côté le passé le crasé, il privatise le secteur privé. Et ça seulement le fait. Qui démarche il fait? Pour qui ça au nom des intérêts de l'État? Il pas voyé en sommation. Bail monde qui vend l'État mauvais mazout là, compagnie Rebel Riche Haïti SA. Pour qui ça va pas voyé en sommation Bali pour dire eh bien, où venons mazout? Le mazout était de mauvaise qualité. Le mazout vendu, fourni à l'EDH
endommagé violemment ses moteurs. Mais combien cobla coûté? Nous demandons pour payer pour réparer. Pour ça, va faire ça. Son quatrième question fondamentale. Cinquième question. Nous nous reconnaissons. Son question fondamentale, il faut répondre non. Quel est le rapport entre ces compagnies, Peubelrige, Haïti SA, et les plus hautes autorités politiques du pays? Mais bon, l'autre détail qui est important. Le Kounia, moteur EDH crasé. Moteur EDH crasé. Parce que vous avez un mauvais mazout. Vous dites qu'on y a ces diesel. Il a utilisé ou pas utilisé mazout là encore. Mon connaît diesel là plus cher que mazout là. Mais il prend diesel là dans même compagnie qui vend EDH. Mauvais mazout qui crase moteur là. Quand on dit que tout le bagage c'est pour compagnie ça, pour lier. Qui intérêt qui derrière question ça? Mais bon, l'autre question encore qui est important pour moi, c'est pour citoyen, ça a bon rapport avec l'actualité. Moi, émission qui fait non radio, radio ce qu'on fait. Quelques heures après émission, hein, directeur ULCC écrit PDG radio, hein, M. Gary Paul Charles, pour dire voyez bande sonore pour moi. Parce que ce dossier ça est important. Comment? Dossier mazout là pas important pour ULCC. Dossier mauvais mazout qui crase moteur EDH pas important pour ULCC. Dossier ça pas important pour paquet. Alors dossier qui est important, sont question de dossier ONA que sénateur la tortue font prêt. Bon, moi-même, on est qui font prêt, on femme qui font prêt. La seule responsabilité de quelqu'un qui a contracté un prêt d'une institution, c'est de payer ses redevances. De bon monde prête on l'argent le payer, ou pas rien pour dire. À moins qu'on a prouvé que mon a utilisé le pouvoir pour bénéficier d'un traitement de faveur, c'est-à-dire les bénéficier d'un taux qui est beaucoup plus bas que le taux ordinaire pratiqué dans le domaine. Bon, sénateur Latortue prend comme là, il investit dans la production nationale. Tout investissement dans la production nationale doit être encouragé dans ce pays. Alors, ce que nous devons comprendre comme conclusion, c'est mauvais mazout, Peubelrige Haïti S.A. vend l'État haïtien qui crase moteur EDH, et c'est ça qui fait. Nous avons plus passé deux mois nous dans blackout. Mais vérité, autorité ou pas, j'en dis nous. Faut que l'autorité de l'État ou dit nous. Faut président, ministre finance, directeur BMB dit nous. Qui est-ce qui est vrai propriétaire? Compagnie Peubelrige, SA Haïti, qui vend l'État haïtien, mauvais mazout, qui crase moteur EDH. Yo dit c'est pour Michel Martelly. Yo dit c'est pour Jovenel. Yo dit c'est pour Tige Champagne. Je refuse de m'aventurer dans cette voie, mais je veux savoir la vérité en tant que citoyen. Mais l'autre question, pour qui ça tout bagaille ça au passé, directeur BMP là, la casse fait couvrir ça. Qui intérêt le gagnant? Qu'est-ce qu'il a reçu comme avantage? C'est une question de fond. C'est un grand dossier de corruption. Pour qui ça ULCC pas lancé une enquête sur dossier ça? Alors, je tenais à dire la vérité au peuple haïtien. Je dis à tout le monde comprendre que si on mauvais mazout qui crase moteur EDH la côté le sorti, c'est pas dans le ciel le sorti, c'est gros l'argent ne qui a fait. Mais je dis à Napton, on série d'explications dans main l'État haïtien. Évidemment, nous tous nous reconnaissons. Dans le marché question gaz, question pétrole en Haïti, il y a un gros désordre. Il faut une restructuration qui fait dans le marché ça. Mais, ça qui a passé là, c'est inacceptable. On est vendu l'État haïtien au mauvais produit qui crase moteur EDH, qui fait nous faire plus passer deux mois dans blackout. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas dire vérité. Vous ne pouvez pas jamais dire vérité. Vous ne pouvez pas dire qui est qui met compagnie. Vous ne pouvez pas dire qui est qui a payé pour réparer moteur EDH que compagnie ça vend mauvais mazout. Vous crasez. Vous ne pouvez pas dire pour qui ça ULCC. Même bouche li pas jamais ouvrir enquête sous question ça. Alors
je tenais, au nom de la vérité, à mettre ce dossier sur la table, à mettre ce dossier dans le débat, et qu'on y a, ou même comme journaliste, ou gagne un élément dans mon, parce que m'bord des faits clairs, on dit ou que, eh bien, le 10 avril, gagne un bateau qui quittait le port du Texas, un bateau qui gagne nationalité Iles Marshall, qui rentrait en Haïti, qui arrivait le 15 avril. Moi, je dis, c'est bateau ça qui t'a poté mazout là pour un compagnon de Prébel Riche. Qu'on y a bon toute information, yo, ou pral connaît sa bagaille là. Et moi, j'espère dans les heures qui viennent, mon bonne information qui pral tomber. Directeur BM Pat pral parler, pour le sa bagaille là, tout bon. Directeur EDH pral parler, ministère finance pral parler, moun ki vrai mettre compagnie Prébel Riche là pral paraître pour nous qui est-ce qui a fait toute l'argent ça yo, parole yo pral parler, le débat est lancé et c'est ça la démocratie. Merci le journaliste d'être là pour me permettre de m'adresser à la population par l'entremise de votre micro. Merci, merci, merci. Bon, ça me dit comme information. Non, bon, ça me dit comme information. Moi, dis-vous. Mais qui n'ont compagnie. Il n'y a pas de discussion sur le nom de la compagnie. C'est vrai à 1000%. Moi, dis-vous, mais qui l'est bateau qui pote mazout la quitte Texas. Bon, information. M'bra la gay manifeste la sur WhatsApp ou à Brel. M'bra le bon talent là. M'y manifeste la toute information. Moi, dis qui le bateau a rivé en Haïti. Moi, dis qui est capitaine qui t'a conduit bateau a. Moi, bon, toute information. Kounia m'dou, mais qui compagnie. Kounia ou même avec moi, nous pral chercher qui est qui met compagnie. Mais le plus souvent, met compagnie, il va lui mettre compagnie à vrai. Nous pouvons regarder qui est politiquement qui chef de mettre compagnie. Quand des gens qui mettent en compagnie, il faut chercher derrière qui est ce qui veut mettre compagnie. C'est un grand dossier. C'est un dossier important. Ok, l'autre point, c'est comment mazout ça, c'est tellement égo. Est-ce que vous avez des informations de combien de corps l'étayer? Vous parlez de réparation. Est-ce que la réparation c'est pour faire de l'argent, pas supposé restituer? Ça c'est une. Deuxièmement, de qui l'argent t'as su, est-ce que vous allez supposer payer une réparation? Cependant, nous pouvons être ministère des même déjà payer l'argent, ça c'est plus de 400 000 dollars. Mais c'est ça le désordre! C'est ça le désordre! Qui compagnie les Prébel Riche, Haïti SA, qui vend l'État haïtien en mauvais mazout qui crase moteur EDH? Si vous avez un moteur écrasé, il faut ranger le moteur, il faut réparer le moteur. Le ministre Nader n'a pas de droit. Avec le ministère des Finances, pour prendre l'argent par nous, pour aller ranger le moteur que la compagnie Prébel Riche Haïti SA crasé avec un mauvais mazout. C'est une première question. Sur le plan civil, qui est-ce qui doit réparer? Ben, sur le plan pénal, est-ce que ce n'est pas une association de malfaiteurs? On bande garçon avec femme qui mettait ensemble pour y aller faire l'argent sous nous. C'est l'aspect pénal. Est-ce que Prébel Riche Haïti SA, il y a une spécialisation dans la question produit pétrolier, la question mazout, la question diesel. Pour qui ça c'est lui au bail contrat pendant 6 mois. Bref, c'est un dossier extraordinaire. C'est un dossier qui doit nous interpeller et comme de fait, il déjà interpellé. Regardez qui question à poser. Côté quoi alors pour le ministre de prendre comme panou pour la réparer moteur yo et puis qui est-ce qui crase moteur yo son mauvais mazout que Prébel Riche Haïti SA bail l'état haïtien mais son plaisanterie est-ce que comme mazout là pas la supposé restituer en fait toute question ça au fond poser yo et ça fait me dire non à partir de ce matin moi ba non zam pour n'al goumen pour n'al poser question et me pral mettre manifeste bateau à toute information yo sur WhatsApp na yo et qu'on y a droit poser question autorité au bras le palais directeur BM pas bras le palais monsieur Nader pour le palais qui doit pour le fourrer maintenant caisse l'état pour la prendre l'argent par nous pour le réparer moteur que écraser avec un mauvais mazout et c'est pas compagnie pour payer pour qui ça c'est compagnie ça yo bail contrat est-ce que ce n'est pas une association de malfaiteurs constituée au détriment
des intérêts de l'État. La vérité, seule conclusion capable de tirer dans cette affaire, c'est que les intérêts de l'État n'ont pas été défendus. BM pas de défendre les intérêts de l'État. EDH pas de défendre les intérêts de l'État. Ministre Nader pas de défendre les intérêts de l'État. Personne n'a défendu les intérêts de l'État. Et c'est ça que nous, son dossier extraordinaire. Personne n'a défendu les intérêts de l'État. Et à mon avis, c'est un dossier qui doit faire une cause pénale. Son dossier qui est supposé aller devant la justice pour qu'il soit fait ce que de droit. Parce que nous ne sommes pas capables de croiser Brano comme citoyens pour nous quitter équipe Jovenel Moïse, Maté, l'IPHTK, à piller tout ce pays à gagner comme ressources. Pendant ce temps, nous sommes en misère, nous pas de manger, nous pas de payer caille, nous pas de payer l'école, nous pas de payer les policiers pour la sécurité, nous pas de l'hôpital. On ne peut pas accepter ça. Alors, j'ai mis ce dossier sur la table, j'ai versé ce dossier dans le débat politique et social, et les journalistes que vous êtes, professionnels de la presse que vous êtes, vous allez prendre le relais et vous allez pouvoir obtenir la vérité à partir des faits qui viennent de vous être communiqués. Merci. Généralement, M. Michel, comment ça compte faire ces informations? Qui compare déjà qui compte des contrats? Est-ce qu'il y a un processus qui compte mettre en place? Pour qui ça s'est donné au pays? Il y a des détails. Il y a des détails qui me baignent. Parce que nous avons gros désordre dans la compagnie, ça y est tout. Nous avons gros désordre sur ma chair. Je ne défends personne, je n'ai aucun intérêt. On gros désordre la question marché pétrolier. Il faut mettre l'ordre là-dedans. Mais ça qu'a fait là, c'est pas une question de mettre l'ordre. C'est une question de nèg qui a fait zamio, fait l'argent. Et l'offre qu'on est, qui est-ce qui est vrai propriétaire, entreprise ça, compagnie ça, Rebel Riche, Haïti S.A. Ou pas le dire ça. Si c'est monsieur propriétaire, automatiquement, ma voix X derrière, ma voix Y. Son débat qui lançait, son dossier qui lançait. Merci, mes chers amis.